été brutalisé par les forces de sécurité alors qu'il marchait pacifiquement. La journée d'hier a été ici à Kinshasa une répression, une véritable répression sanglante comme vous l'avez vu sur ces images. Très, très désolé de voir que la barbarie, la médiocrité continue dans ce pays. Au moment où nous étions à l'église, on n'avait même pas encore donné la permission fidèle de pouvoir sortir pour marcher. Pendant que je prenais la parole pour m'adresser au fidèle, comment nous allons marcher. À coups de gaz lacrymogènes et l'usage des balles réelles, la population a bel et bien marché dans les grandes artères de la commune de Makala. Plusieurs victimes, dont de blessés, enregistrés à la suite de cette répression. La détermination des peuples congolais reste tout de même grande pour l'acte dans la démocratie. Je vous ai poussé pour que nous puissions vivre cette démocratie qui est en train d'être confisquée par les affamés du peuple. Je félicite la population du Makala, du Yolo, nous avons marché à l'autre. Ce que nous regrettons, c'est la soldatesse là, Kabila. On a envoyé ses militaires, il est à plus de temps pour lancer des gaz lacrymogènes. Je déplore les blessés, je déplore les morts, il y en a une fois. Avec un journaliste qui a été tiré à bout portant au niveau de Bombay, ce sont des actes regrettables. Nous demandons à la communauté internationale pour la laisser payer de prendre acte. Décidément, la RDC est devenue un pays prédateur des droits fondamentaux du peuple. C'est une pente dangereuse pour la démocratie. C'est triste et c'est rétrograde. Je crois que le gouvernement, tous les gouvernants de ce pays, je crois que nous sommes encore à la République. Là où Dieu est facile, là où la violence caractérisée est admise. Nous, nous sommes dans un état démocratique. Nous sommes indépendants depuis 1960. Les gens sont morts pour la démocratie dans ces pays. Comment voulez-vous un pouvoir qui ne parvient même pas à sécuriser une marche et qui veulent encore continuer? Vous avez appris ce qui est arrivé. Il y a eu deux morts sur l'avenue Katenda à Kanluka. On a enveloppé les corps par le service, par les policiers, les militaires qui étaient là. Ils sont partis avec les corps. Vous avez appris ce qui nous est arrivé à l'église Saint-François de Sales, là où la fille d'un colonel qui s'est trouvée devant à bord de la grotte. Et à succomber. Monsieur Kabila doit savoir que l'article 64 nous donne le droit de faire une marche, tout ce que nous voulons. Il ne faudrait pas qu'il commence à donner les idées malsaines aux gens pour qu'ils puissent se protéger. Donc à partir de cet état d'esprit, je dis tout simplement que d'ici là, je crois qu'il n'y aura plus de République démocratique. Les morts que l'AFD et les compagnies ont amenés dans ce pays voudraient
regard au nombre de morts qui sont déjà causés depuis les marches. Peut-être que vous semblez ignorer, nous sommes à 12 millions de morts. Nous n'avons pas que M. Kabila parle. Nous avons que M. Kabila puisse prendre le courage qu'il a afin qu'il respecte les accords de ses services. Quand vous voyez tout ce que la majorité présidentielle qui croit qu'aujourd'hui ils sont là et que demain ils ne seront pas remplacés. Alors il y a quoi faire? Donc à chaque fois qu'il y aura une marche, il y aura un meeting, il y aura quoi que ce soit, il faut venir tuer. Les fonds de droits de l'homme à Cage relèvent beaucoup d'actes de mauvais traitement commis par les agents de l'ordre. Ainsi déclare-t-elle en faire une économie qu'elle mettra à l'attention de la Cour pénale internationale. Certaines paroisses de certaines villes, nous avons constaté que des gaz lacrymogènes ont été jetés et des balles réelles tirées sans discrimination. Et même contre des personnes qui s'étaient retranchées à l'intérieur des églises, des personnes qui avaient voulu fuir la présence des forces de l'ordre, donc qui ne présentaient plus de danger ni pour les agents de l'ordre et moins encore pour l'ordre public. Pire encore, certains coins de nos villes où les marches ont été organisées, les agents de l'ordre ont pourchassé les marcheurs jusque même dans des résidences privées où certains avaient pensé trouver des refuges pour se mettre à l'abri des gaz lacrymogènes et des balles réelles qui étaient tirées. Akaj exige la libération de 133 personnes qui sont encore en détention. Le travail de pression, dit-elle, a permis la libération de 12 religieux, dont 10 prêtres et 2 révérendes sœurs. C'est réjoui cet ONG qui fustige le fait que 5 d'entre eux ont été victimes de torture et mauvais traitements. Les habits ont été arrachés, des chaussures. Il y en a qui se sont retrouvés pour ceux qui étaient libérés. Il fallait les retrouver des habits et des fortunes pour leur permettre de regagner leur famille. La CAJ exige des dirigeants de RDC le respect des droits et libertés des citoyens garantis par la Constitution. Et différents instruments juridiques internationaux ratifiés par la RDC, principalement la liberté de manifester et de se réunir pacifiquement. Les ONG de droits de l'homme national et international travaillent avec les familles des victimes pour déposer une plainte à la CPI contre le plus haut responsable civil qui, pour la plupart, s'est recruté dans le gouvernement, révèle le président de la CAJ, maître Georges Kapiama. La répression sanglante de la marche des laïcs catholiques du dimanche 21 janvier 2018 suscite des réactions. La Société civile dynamique des Congolais pour le développement DCD donne son point de vue quant à ceux. La dynamique ne souscrit pas aux initiatives amenant à la mort d'hommes. C'est pourquoi elle lance de multiples appels à une réconciliation nationale. Qui devra alors prendre en charge les victimes de cette marche, c'est-à-dire ceux qui ont été blessés par balles et aussi enterrés les morts de cette répression? Et Liboso, qui président national de la DCD, répond. Oui, à une mort d'homme, il faut d'abord chercher les auteurs et décider de leur poursuite judiciaire. Enfin, l'État, en qualité de bon père, pourra prendre en charge le frais funéraire des victimes. La DCD continue à préconiser la tenue d'un troisième dialogue susceptible de baliser le chemin pour des élections apaisées en République démocratique du Congo. Tenant compte du climat politique qui n'est pas favorable, la DCD lance un appel. La DCD demande qu'il y ait un troisième dialogue de réconciliation nationale. Aujourd'hui, mardi 23 janvier 2018, jour pour jour, la tribune de femmes politiques de l'opposition Terpo Ansi totalise 5 ans d'existence. En effet, la
des peaux aimées par le souci de voir l'opposition politique parler le même langage et agir dans l'unité afin de réussir l'alternance dans notre pays. Pour la CAFPO, l'appel à l'unité de l'opposition lancé ces derniers temps par certains leaders politiques demeure une question déjà réglée par le FAB de l'opposition il y a de cela 5 ans. Ce qui avait conduit à la création de la dite plateforme. S'étant investi à la création de la CAFPO, le FAB politique de l'opposition avait plutôt cru au développement de la démocratie par l'appartenance au pouvoir dans notre pays. Hélas, le démon de l'irresponsabilité a complètement enivré le régime au pouvoir qui s'est évertué à torpiller le processus. Avec les concertations nationales, le dialogue de la cité de l'OUA et le dialogue de la CENCO, tout porte à croire que le régime en place n'a jamais voulu les élections comme mode d'accession et de conservation du pouvoir. Il préfère à la place verser dans le cafouillage des combines et des combinaisons pour y parvenir. À l'heure où la CAFPO célèbre cet anniversaire, la République démocratique du Congo, notre pays, sombre dans un chaos voulu et entretenu par le régime en place, mettant en péril des attentes de tout un peuple, fortement désabusé. Le peuple congolais, par sursaut patriotique, préfère désormais la rue comme dernier recours en vue de sauver le processus. Dommage. Le régime en place persiste et signe par la répression sanglante et barbare de toute manifestation populaire dont les deux derniers ont endeuillé plusieurs familles. La CAFPO invite ses membres, ses sœurs de l'opposition, ainsi que celles de forces sociales acquises au changement, à se mobiliser jusqu'à la victoire finale. Les Congolais ont commémoré les 16 et le 17 janvier les 57e et 17e anniversaires de l'assassinat respectivement du père de l'indépendance RD congolaise Patrice Emery Lumumba et du musée Laurent Désiré Kabila, à l'occasion donc de ces deux dates commémoratives de nos héros nationaux, le club de marcheurs de Kinshasa Semkin qui coordonne Pichupuka est allé cette fois-ci à Mwanda dans le Congo central, objectif découvrir cette ville.